Rochelle, appartement préfiguré. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais! Ouais, quand il n'y a pas de nacelle. Gâtez les patates. A ver. Eso es lo primero que tenéis que hacer, es pedir permiso. Hombre, es que mire todo lo que hay aquí. Ils ont laissé pisser? Je sais pas. Parce qu'en plus, ils ne sont pas déployés, ils sont encore scotchés. Oui, oui. Ben oui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été... Pourquoi ils n'ont pas été installés? Ah ouais, en plus, il y a plein de flottes. Le monsieur Indy, il a un autre secteur où c'est la même entreprise qui a fait le boulot, c'est la même merde. Et c'est Action, non? C'est une PM ou un cendrier? Bah 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 bah. C'est une PM ou un cendrier? Bilaï, c'est chaud. C'est chaud, c'est monstruel. Le mec qui a fait ça, un génie. Quand t'as pas la clé des CFR, une petite ficelle, rien de mieux. Et merci. Réseau Orange dans le 27. Les gars, ils sont venus installer le voisin. Le client, il est là. Je vais vous montrer la voiture tout à l'heure. J'ai pris la photo, la voiture en photo. Pas de tresse. Quand j'ai vu ça, j'ai mis en raison. Je lui ai dit, wesh, t'as pas de tresse. Il me dit, en gros, enfin, il me fait comprendre comme s'il savait pas faire de tresse. Comment il fait la tresse, il m'a dit. Ils étaient deux. Hein. Regarde-moi le câble. Je suis pas la D2. Quand j'ai vu ça, je lui ai dit, mon gars, tu suis pas la D2. Vous suivez jamais la D2. Il m'a dit, comment ça, suivre la D2? Je lui ai dit, mon gars, franchement, ça m'a énervé sur le coup. Et je lui ai montré, voilà, mon rack. Mais les mecs, ils charbonnent, en fait. Ils sont deux, ils charbonnent. Là à là. Bébé, au pied du client, mais ils trouvent le moyen de faire ça. Ils trouvent le moyen de faire un truc comme ça. Et c'est pas des mecs de Scoff, c'est Sojetrel qui les envoie. C'est tombé. Fou la haine, ça. Je fais quoi? J'y vais pas. Je la sors pas. Qu'est-ce que je fais? Bon, bah voilà, je l'ai fait. Hein. J'espère que je vais réussir à remettre tout ça dedans. Bon. Ah bah voilà, elle a été cachée la plaque. Elle a été cachée la plaque sur le... Comme dit, il fallait marquer le coup et s'arrêter et immortaliser cette petite pépite là. Alors soit le gars il avait pas d'agrafeuse, soit il était sous Poliakov quoi. À mon avis ça doit être les deux. En tout cas, je pense que c'est du free ça. T'es moi, je rentre dans la PM. Mais c'est qui le fou furieux qui tape dans le mur? Ça, c'est un mec d'SFR, c'est sûr ça. Je fais pas. La voix de Hamza, frère. Comment vous connaître, c'est un fourreau. Ouais, la grosse foi là. C'est la grosse foi là, c'est la poêle de Marseille. Hein. Il est là-bas, c'est Attaï. Wallah, il est là-bas. Oh les gars, quand même. À l'équipe. Il n'y a aucun respect des consignes là. Hein. Il y a ça là.
Là, c'était comme ça. Là. Il n'y a aucun respect des consignes. C'est incroyable. Là. Bande à fous. Donc là, on part de là, mon titi. Ok. Là, tu fais façade, façade, façade. Ouh. J'espère que tu es prêt. C'est de la longueur, mon pote. Là, ça façade, ça façade, ça façade. Là, ça façade encore, ça façade, ça façade. Là, là, cette belle portée. Mais bon, y a rien. Hop, ça façade, ça façade. Là, ça façade tout là. Là, ça refaçade. Tout façade, tout façade. Tout façade encore. Tout façade, tout façade. Ah, on descend en soute. PV. Voilà, là, il y avait une jarretière qui était branchée dessus. Je l'ai enlevée. Et je l'ai trouvé. C'est une galère, je sais pas pourquoi il y a une jarretière qui est branchée dessus. Regarde comment ça se passe. Je crois il est caché le PV là. Voilà. Petite piraterie encore. Pirates, ils sont partout. Wallah, ils sont partout, ça, merde. Sacré pirate. Pleine façade, PB là. Pirate de ouf. Bruno, j'espère que je rêve. Regarde la jarretière, comment elle est. J'espère que c'est une blague. J'espère que c'est une blague. Ça, c'est un PB dans une chambre. Comprendre. Tous les tubes sont chef d'équipe. Regarde-moi, les gars, comment ils sont sérieux. On veut faire passer le câble, t'as vu? T'as capté? Regarde la tranchée. Wow, 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 wow. Regarde ça. On est en train de bêcher. Oh lélé. Oh lélé. Allez, allez, on y va. On emmène jusqu'ici. Jusqu'à là-bas, regarde, jusqu'à là, chef d'équipe. Regarde ça, on arrive jusqu'à là et on va tourner jusqu'à la pièce. Sérieux. Hey, t'en dis quoi sur les bobines d'orange, s'il te plaît? Frère, envoie-moi un mandat, ça fait 3 mois que je suis en tôle. Tu me parles de tes bobines, je m'en bats les couilles, moi, des bobines. Envoie des sous. C'est, hey, c'est bien. Hey, Bruno, c'est bon, j'en ai marre, ils sont bons à rien. Regarde, là, j'ai soudé. Regarde, ça, c'est le tube. Regarde. Attends, faut pas que je le casse. Tu vois ma lumière là? Eh ben, OPM, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout, OPM. Hey, Brunax! Regarde-moi cette spaghetti là. Spaghetti à la bolognaise. Spaghetti à la bolognaise, frérot. Voilà. À air bleu. T'es fou, t'es bien, ils attachent ça avec des rizlans, quoi. Putain. Mais par contre, les gens, ils sont zaf, hein, t'es mort. C'est Griot qui est soudé. Les soudures ont été faites. Non, les soudures ont été faites, ouais, par des daltoniens. Bien d'accord. Jamais de continuité. Problème de position. SFR égale merde égale ou bip. Je dis pas le mot parce que hein, je peux me rabaisser à ça, moi. Par contre, il a fait un petit sourire là. Il a bien bossé lui. Hein. Putain, les pauvres. Putain, t'es bien content de trouver ton laser dans ce putain de Capharnaüm, hein. Dans cette spaghetti là, hein, dans ces pâtes, hein. T'es bien content de trouver ton putain de laser, Zébé. Merde. Un artiste, artiste peintre. Celle-là,
Regarde-moi ça. Regarde comment je suis en train de me casser les couilles avec mon échelle. Elle fait office de perche pour monter le câble au-dessus des branches. Parce que j'ai pas de nacelle. Là, vous êtes pas prêts, les boys. La PM, ça fait 10 minutes que je la cherche. Elle est boulevard de l'égalité. Voilà, le boulevard, il est tout là. Et j'ai tourné. Et au moment où je vois ça, je me dis, mais non, ça peut pas être ça. Ce truc-là, là. Putain, camouflage plus 10 000. Voilà, fallait le trouver les gars. Putain, sa mère. Voilà, la PM elle est là. Et ça fait 15 minutes que je tourne comme un sgeg. Énorme. Putain. Ça se passe comment là? Je vais enlever tout ça là. Le PB il est là. J'ai réussi à l'enlever, il était sur le côté. Il tenait pas. Mais là pour enlever tous les câbles de la D2 là, c'est énorme là. Même le fourreau, je peux même pas y accéder. Ça se passe comment? Hey, les techs, t'es à 1990 là. Est-ce qu'on vous a appris à rentrer un câble dans une ECAM ou c'est comment? Non, mais il faut voir là, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible! Voici la meilleure PM que j'ai jamais vue. Ça, c'est un vrai délire. C'est cool, hein? Vas-y, essaie de trouver ton laser dans ça. C'est cool. Putain. Petite dédicace à toi. Regarde-moi ça. Immeuble préfibré, frère. Regarde le carrelage que c'est, rouillant. Regarde-moi ces chiens de la casse. Regarde-moi ces travailleurs, t'as le dimanche matin. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu veux faire, frère? Je sais pas. J'ai pas de mots. Frérot, j'ai pas de mots. Parole, je n'ai pas de mots. C'est quoi ce bordel? Non mais là c'est trop là, c'est inadmissible, ça manque de respect total. Je sais pas c'est qui ce fils de pute qui a fait ça. Mais regarde-moi ça, mais regardez-moi ça les gars. Bordel de Bordeaux, c'est du n'importe quoi. Putain. D'après vous, est-ce qu'il marche? Franchement, je sais pas. Bravo, il sait faire. Franchement, il sait faire. Chapeau. Jamais vu ça. Voilà, ça c'est les prix comme les. Voilà, hop. Et voilà. Ils ont mis juste la prise. Vous voyez ce genre de fils de pute là? Voilà. J'ai été au café là, ça appartient à personne. J'ai été là, le magasin de vin, t'as mes couilles, ça appartient à personne. Donc Tech Fibre, on est d'accord, je vais lui niquer sa mère à sa voiture. Comme ça, je vais ouvrir mon PM. Et comme ça, mon client, il part pas en échec. On est d'accord, ah ouais? Tu m'autorises ou pas, Tech Fibre? J'attends juste ton feu vert, comme ça, je peux lui niquer sa mère à sa Laguna. Fils de pute. Je peux que tu descends la mort. Montre. Vas-y. Mets-toi déjà en place. Mets-toi déjà en place. T'inquiète. Ok. Oui. Montre l'autre. Ça va aller. Vas-y. Et moi, il montre. Oh putain. C'est moi le premier. Bon, c'est bon, je vois aussi. Ouais. Tant de merde.
quand tu galères, tu fais ton rack, tu vois ou pas, le petit point là, juste là, tu éteins, tu fais ton rack et en fin de compte, tu dois faire une soudure à la PM. Super, super. Putain. Wesh. C'est abusé. T'es ma. Je peux même pas prendre le PV quoi. Ah, regarde yo, c'est plus grosse que l'autre. Hein. C'est juste à côté de PM. Il y a un autre PM. Mais là je crois que je lui mets en échec là. C'est mort. Hein. Bon bah voilà, Omar. Et moi, là c'est bon, on a trouvé. Là on va connecter voilà. La PR. Et la continuité, c'est bon, c'est réglé. Mais on n'a pas le droit, mais on va le faire quand même. Hein. Ouais. On n'a pas le droit, mais on va le faire quand même. Bon, on va dire quand Omar, il a trouvé. Hein. C'est moi qui l'a trouvé déjà, c'est juste que je t'attends comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec des dossiers comme ça? Plus rien. Pas de fourreau. Ici, il n'y a que l'eau. Et ici, il n'y a rien. On l'a arrêté parce que de toute façon c'est Orange etc qui décide. Mais comme il me disait, là c'est beaucoup trop dangereux. Parce que nous on va chez les clients, on peut contaminer les clients, nos familles, c'est très très dangereux. Et du coup là il a dit que dès ce soir, là en fait ils sont juste en train de voir les plans de charge Orange. Ils sont en train de voir comment faire, parce que de toute façon il n'y aura plus de rendez-vous. Les gens ne prendront plus rendez-vous. Donc ça sert plus à rien. Donc on va voir. Et dans tous les cas, je sais que on va être arrêté d'ici très très peu de temps. Très très peu de temps. Voilà pour les news. Ma mère, vous abusez les gars. Je suis venu avant-hier, j'ai nettoyé, vous avez les deux trucs qui sont là. Frère, avant-hier, je reviens aujourd'hui. Mais la vie de ma mère là, je ne veux pas nettoyer. Je vous le dis. Salut. En fait, j'ai posé mes ciseaux là, juste à côté. J'ai rentré, mais pas 30 secondes, j'ai sorti, ils sont partis. C'est un truc de fou. Hein. Oh, les amis, j'ai pas encore fini l'histoire. Voilà, 3 là, on a dit. Le 4e, il est là, cassé. Regardez, le 5e, c'est le pire. Voilà. J'ai creusé pour trouver. Salut les gars, je vous présente Ayoub le jardinier. Voilà, première casse, tac tac, deuxième casse, voilà. Deuxième casse et troisième casse. Voilà. Ouais, mon petit Bruno. Ah, qu'on travaille. Voilà, regarde, Ayou. En plus, voilà le temps, le vent, la pluie, la saleté partout. Franchement, ça. Regarde. J'ai mis le grand aiguille en double. Ça passe pas. Il arrive au milieu, ça passe pas. Il y a la terre, en fait. Regarde. Franchement. Rentrer même dans la chambre, il y a la saleté partout, mais ça passe pas du tout. Les deux côtés, j'ai essayé le deux côtés, ça passe pas. Et maman Michel, elle tient avec quoi? Presse à droite. Que t'as capté, ça monte. On n'a pas de prime de risque, hein? Si je tombe de là-haut, comment on fait? Hein? Voilà en fait ce qu'on appelle une intervention suicide. Voilà. Chauve-souris, faut que j'accroche mon câble à côté du câble blanc. Là. Droit de retrait, chauve-souris, moi je fais demi-tour. Ça commence bien depuis fort là. Je monte ou je monte pas?
Regarde-moi ça. Coupé. 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 Ils ont tout saccagé. Ouais, qui c'est qui a fait ça? On est dans le haut là. Chouf, comment ils ont passé la fibre. Ouais. Le client il se plaint que sa box ça marche up. Mais frérot, ta box elle est ouverte en deux, wesh. PM. Les ulizous, mon frère, ça crame ici. Carrément, tu fais comment pour brasser ta PM, Marguerite? C'est foutu. C'est La Rochelle, appartement préfibré. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais! Ouais, quand il n'y a pas de nacelle. Gâtez les votants. Ah. Et c'est le premier que vous devez faire, c'est le permis. Hombre, et que mire tout ce qu'il y a ici. Ils ont laissé pisser. Je sais pas pourquoi. Parce qu'en plus, ils ne sont pas déployés, ils sont encore scotchés. Oui, oui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été. Pourquoi ils n'ont pas été installés? Ah ouais, en plus, il y a plein de choses. Le monsieur Indy, il a un autre secteur où c'est la même entreprise qui a fait le boulot, c'est la même merde. Et c'est Action, non? C'est une PM ou un cendrier? C'est une PM ou un cendrier? Bilaï, c'est chaud. C'est chaud, c'est monstruel. Le mec qui a fait ça, un génie. Quand t'as pas la clé des CFR, une petite ficelle, rien de mieux. Et merci. Réseau Orange dans le 27. Les gars ils sont venus installer le voisin. Le client il est là. Je vais vous montrer la voiture tout à l'heure. J'ai pris la photo, la voiture en photo. Pas de tresse. Quand j'ai vu ça, j'ai mis en raison. Je lui ai dit wesh, t'as pas de tresse. Il me dit en gros, enfin il me fait comprendre comme s'il savait pas faire de tresse. Comment il fait la tresse, il m'a dit. Ils étaient deux. Hein. Regarde-moi le câble. Je ne suis pas la D2. Quand j'ai vu ça, je lui ai dit, mon gars, tu ne suis pas la D2. Vous ne suivez jamais la D2. Il m'a dit, comment ça, suivre la D2? Je lui ai dit, mon gars, franchement, ça m'a énervé sur le coup. Et je lui ai montré, voilà, mon rack. Mais les mecs, ils charbonnent, en fait. Ils sont deux, ils charbonnent. Là à là. Bébé, au pied du client, mais ils trouvent le moyen de faire ça. Ils trouvent le moyen de faire un truc comme ça. Et c'est pas des mecs de scope, c'est Sojetrel qui les envoie. C'est tombé. Fou la haine, ça. Je fais quoi? J'y vais pas. Je la sors pas. Qu'est-ce que je fais? Bon, bah voilà, je l'ai fait. Hein. J'espère que je vais réussir à remettre tout ça dedans. Bon. Ah bah voilà, elle a été cachée la plaque. Ils ont caché la plaque. Comme dit, il fallait marquer le coup et s'arrêter. Et immortaliser cette petite pépite là. Alors soit le gars il avait pas d'agrafeuse, soit il était sous Poliakov quoi. À mon avis ça doit être les deux. En tout cas, je pense que c'est du free ça. T'es moi, je rentre dans la PM. Mais c'est qui le fou furieux qui tape dans le mur? Ça, c'est un mec d'SFR, c'est sûr ça. Ah,
fais pas. C'est la voix de Hamza, frère. Comment vous connaître, c'est un fourreau. Ouais, la grosse foire là. Arrête, le gros serpent là, c'est la poêle de Marseille, hein. Il est là-bas, c'est Ataï, voilà, il est là-bas. Comment il est là-bas? Oh les gars, quand même. Oh l'équipe, hein. Il n'y a aucun respect des consignes, hein. Il y a ça, là, ça. Là, c'est comme ça, là. Il n'y a aucun là, respect là. Des consignes. C'est incroyable. Là. Bande à fous. Donc là, on part de là, mon titi. Ok ? Là, tu fais façade, façade, façade. Ouh ! J'espère que t'es prêt. C'est de la longueur, mon pote. Là, ça façade, ça façade, ça façade. Là, ça façade encore, ça façade, ça façade. Là, là, cette belle portée. Mais bon, y a rien. Hop, ça façade, ça façade. Là, ça façade tout là. Là, ça refaçade. Tout façade, tout façade. Tout façade encore. Tout façade, tout façade. On descend en soute, bébé. Voilà, là, il y avait une jarretière qui était branchée dessus. Je l'ai enlevée et je l'ai trouvée. C'est une galère, je sais pas pourquoi il y a une jarretière qui est branchée dessus. Regarde comment ça se passe. Je crois il est caché, le bébé, là. Voilà. Petite piraterie encore. Les pirates sont partout. Wallah, ils sont partout, ça, merde. Sacré pirate. Pleine façade, puis Bella. Pirate de ouf. Bruno, j'espère que je rêve. Regarde la jarretière comment elle est. J'espère que c'est une blague. J'espère que c'est une blague. Ça, c'est un PV dans une chambre. À comprendre. Tous les tubes sont... Chef d'équipe! Oh, y'a moi, les gars, comment ils sont sérieux? On veut faire passer le câble, t'as vu? T'as capté? Y'a la tranchée. Wow, 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 wow. Regarde ça, on est en train de bêcher, oh lélé, allez, allez, on y va, on y va, on emmène jusqu'ici, jusqu'à là-bas, regarde, jusqu'à là, chef d'équipe, regarde ça, on arrive jusqu'à là et on va tourner jusqu'à la pesque. Eh, hey, t'en dis quoi sur les bobines d'orange, s'il te plaît? Frère, envoie-moi un mandat, ça fait 3 mois que je suis en tôle, ça, tu me parles de tes bobines, je m'en bats les couilles, moi, des bobines, envoie des sous. C'est, hey, c'est bien. Eh hey Bruno, c'est bon, j'en ai marre, ils sont bons à rien. Regarde, là j'ai soudé. Regarde, ça c'est le tube. Regarde. Attends, faut pas que je le casse. Tu vois ma lumière là? Eh ben, OPM, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout, OPM. Eh hey Brunax, regarde-moi cette spaghetti là. Spaghetti à la bolognaise. Spaghetti à la bolognaise, frérot. Voilà. À air bleu. T'es fou, t'es bien, ils attachent ça avec des riselons, quoi. Putain. Mais par contre, les gens, ils sont zaf, hein, t'es mort. C'est Griou qui est soudé. Les soudures ont été faites. Non, les soudures ont été faites, ouais. Par des daltoniens. Bien d'accord. Jamais de continuité. Problème de position. SFR égale merde égale ou. Bip. Je dis pas le mot parce que, hein. Je peux pas me rabaisser à ça, moi. Par contre, il a fait un petit sourire, là. Il a bien bossé, lui. Hein. Putain, les pauvres.
Putain, t'es bien content de trouver ton laser dans ce putain de capharnaüm, hein? Dans cette spaghetti là, hein? Dans ces pâtes, hein? T'es bien content de trouver ton putain de laser, zébé. Merde. Un artiste, artiste peintre. Celle-là. Regarde-moi ça. Comment je suis en train de me casser les couilles avec mon échelle. Elle fait office de perche pour monter le câble au-dessus des branches. Parce que j'ai pas de nacelle. Là, vous êtes pas prêts, les boys. La PM, ça fait 10 minutes que je la cherche. Elle est boulevard de l'égalité. Voilà, le boulevard, il est tout là. Et j'ai tourné, et j'ai tourné. Et au moment où je vois ça, je me dis, mais non, ça peut pas être ça. Ce truc-là, là, putain, camouflage plus 10 000. Voilà, fallait le trouver, les gars. Putain, sa mère. Voilà, la PM, elle est là. Et ça fait 15 minutes que je tourne comme un sgeg. Énorme. Putain. Ça se passe comment, là? Je vais enlever tout ça, là. Le PB, il est là. J'ai réussi à l'enlever, il était sur le côté. Il tenait pas. Mais là, pour enlever tous les câbles de la D2, là, c'est énorme, là. Même le fourreau, je peux même pas y accéder. Ça se passe comment? Hey, les techs, t'es à 1990 là. Est-ce qu'on vous a appris à rentrer un câble dans une ECAM ou c'est comment? Non, mais il faut voir là, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible! Voici la meilleure PM que j'ai jamais vue. Ça, c'est un vrai délire. C'est cool, hein? Vas-y, essaie de trouver ton laser dans ça. Ouais, c'est cool. Putain. Petite dédicace à toi. Regarde-moi ça. Immeuble préfibré, frère. Regarde le carnage que c'est, rouillant. Regarde-moi ces chiens de la casse. Regarde-moi ces travailleurs, t'as le dimanche matin. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. J'ai pas de mots. Frérot, j'ai pas de mots. Parole, je n'ai pas de mots. C'est quoi ce bordel? Non mais là c'est trop là, c'est inadmissible, ça manque de respect total. Je sais pas c'est qui suisse des putes qui a fait ça. Mais regarde-moi ça, mais regardez-moi ça les gars. Bordel de Bordeaux, c'est du n'importe quoi. Putain. D'après vous, est-ce qu'il marche? Franchement, je sais pas. Bravo, il sait faire. Franchement, il sait faire. Chapeau. Jamais vu ça. Voilà, ça c'est les prix comme les. Voilà, hop. Et voilà. Ils ont mis juste la prise. Vous voyez ce genre de fils de pute là? Voilà. J'ai été au café là, ça appartient à personne. J'ai été là, au magasin de vin, t'as mes couilles, ça appartient à personne. Donc Tech Fibre, on est d'accord. Je vais lui niquer sa mère à sa voiture. Comme ça, je vais ouvrir mon PM. Et comme ça, mon client, il part pas en échec. On est d'accord, ah ouais? Tu m'autorises ou pas, Tech Fibre?
J'attends juste ton feu vert, comme ça je peux lui niquer sa mère à sa Laguna. Fils de pute. Je peux que tu descends la mort. Montre. Vas-y. Mets-toi déjà en place. Mets-toi déjà en place. T'inquiète. Ok. Oui. Montre l'autre. Ça va aller. Vas-y. Et moi, il montre. Oh putain. C'est moi le premier. C'est bon, je vois ça. Tant de merde. Quand tu galères, tu fais ton rack. Tu vois ou pas le petit point là? Petit point là. Juste là, là. Putain. Tu fais ton rack et en fin de compte, tu dois faire une soudure à la PM. Super. Super. Putain. Wesh. C'est abusé. T'es ma. Je peux même pas prendre le PV quoi. Ouais, regarde Ayo, c'est plus gros que l'autre. Hein. C'est juste à côté de PM. Il y a un autre PM. Mais là je crois que je lui mets en échec là. C'est mort. Hein. Bon bah voilà, on m'a. Et moi, là c'est bon, on a trouvé. Là on va connecter voilà. La PR. Et la continuité, c'est bon, c'est réglé. Mais on n'a pas le droit, mais on va le faire quand même. Hein. Ouais. On n'a pas le droit, mais on va le faire quand même. Bon, on va dire quand Omar, il a trouvé. Hein. C'est moi qui l'a trouvé déjà, c'est juste que je t'attends comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec des dossiers comme ça? Plus rien. Pas de fourreau. Ici, il n'y a que l'eau. Et ici, il n'y a rien. On l'a arrêté parce que de toute façon c'est Orange etc qui décide. Mais comme il me disait, là c'est beaucoup trop dangereux. Parce que nous on va chez les clients, on peut contaminer les clients, nos familles. C'est très très dangereux. Et du coup là il a dit que dès ce soir là en fait ils sont juste en train de voir les plans de charge Orange. Ils sont en train de voir comment faire. Parce que de toute façon il n'y aura plus de rendez-vous. Les gens ne prendront plus rendez-vous. Donc ça sert plus à rien. Donc on va voir. Et dans tous les cas, je sais que on va être arrêté d'ici très très peu de temps. Très très peu de temps. Voilà pour les news. Ma mère, vous abusez les gars. Je suis venu avant-hier, j'ai nettoyé, vous avez les deux trucs qui sont là. Frère, avant-hier, je reviens aujourd'hui. Mais la vie de ma mère là, je vais pas nettoyer. Je vous le dis. Salut. En fait, j'ai posé mes ciseaux là, juste à côté. J'ai rentré, mais pas 30 secondes, j'ai sorti, ils sont partis. C'est un truc de fou. Hein. Oh, les amis, j'ai pas encore fini l'histoire. Voilà, 3 là, on a dit. Le 4e, il est là, cassé. Regardez, le 5e, c'est le pire. Voilà. J'ai creusé pour trouver. Salut les gars, je vous présente Ayoub le jardinier. Voilà, première casse, tac tac, deuxième casse, c'est quoi ça, tiens, deuxième casse et troisième casse. Voilà. Ah, mon petit Bruno. Ah, quand on travaille. Voilà, regarde Ayo. En plus, voilà le temps, le vent, la pluie, la saleté partout. Franchement, ça. Regarde. J'ai mis le grand aiguille en double. Ça passe pas. Il arrive au milieu, ça passe pas. Il y a la terre en fait. Regarde. Franchement. Rentrer même dans la chambre, il y a la saleté partout, mais ça passe pas du tout. Les deux côtés, j'ai essayé le deux côtés, ça passe pas. Et maman, mon échelle, elle tient avec quoi? Reste sur droite.
que t'as capté, ça monte. On n'a pas de prendre de risque, hein. Si je tombe de là-haut, comment on fait? Hein? Donc voilà en fait ce qu'on appelle une intervention suicide. Voilà. Chauve-souris, faut que j'accroche mon câble à côté du câble blanc là. Droit de retrait, chauve-souris, je fais demi-tour. Ça commence bien 2020 là. Je monte ou je monte pas? Regarde-moi ça. Coupé. 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 Ils ont tout saccagé. Wesh, qui c'est qui a fait ça? On est dans le haut là. Chouf, comment ils ont passé la fibre. Wesh. Le client il se plaint que sa box elle marche up. Mais frérot, ta box elle est ouverte en deux, wesh. PM. Les Ulysou, mon frère, ça crame ici. Carrément, tu fais comment pour brasser ta PM, Marielle? C'est foutu.